a wolf. Your pilot plane, Captain? Half an hour notice. Half an hour? Yeah. Okay. What's the best speed? How many revolution is C speed? 113. 113, okay. And what's the best revolution you can give me with 20 minute notice? 110. 110? Okay. But now we got a bridge to face, and I'm not planning to go C speed before before ground zero. So in about 2.5 hours. They will be with me. They are following me all the way to Quebec. Exactly. So they'll be awake you at 1:30 is Quebec? About, I would say more like 2:15, something like that. Yeah. It's low water at 10 minutes before 1. So we should just briefly start to feel the flood, the tide. All right? Why I meant was because they would like rest or something, then No, they will not, and neither I. No, I don't want to. Okay. They will stay up all night. Yeah. Maybe later on, when it's going to be calmer, we might just have a look at the pilot's room, the pilot's cabin. Okay. They want to see what it looks like, but nothing more extravagant than that. With some little snacks for you. Ah! Thank you very much. Next time I will just say, the movie maker are with me, so I'll be sure to have a snack like that. No, you can always have. Right, thank you very much. Very kind, thank you. Zero three five.
if you're not right, put some more wheel, put more wheels because we cannot wait 3 minutes to get to the right heading, okay? Okay, thank you. C'est notre propre système de positionnement. Puis ce qu'il y a de bien avec ce système de positionnement-là, c'est qu'on est capable d'avoir l'endroit où on va rencontrer un autre bateau. Alors là, le bateau qui était susceptible de poser problème, c'est-à-dire qu'on se serait rencontré à peu près où la drague va travailler, ça s'appelle le Vectis Eagle, puis son point de rencontre est juste un peu après. La drague travaille ici. Alors, entre ici, puis ici. Là, le Vectis Eagle, il a ralenti pour qu'on puisse se rencontrer un peu passé la drague. Si lui n'aurait pas ralenti, on aurait eu un point de rencontre qui aurait été proche de la drague, ce qui n'est pas souhaitable. Et puis, pour nous, c'est plus dur de ralentir parce qu'on a le courant dans le derrière qui nous pousse. Alors que pour lui, il y a le courant dans le de face, c'est plus facile pour lui de ralentir. Alors, le pilote m'a appelé pour me dire « Continue, moi je vais ralentir pour te rencontrer au bon endroit. » C'est drôle, hein? On était presque sur le Vectis Eagle, tu te rappelles? Oui, c'est vrai, exactement ça. C'est vrai. Et vous allez voir comment c'est un petit bateau. Oui, mais on ne pouvait pas monter dessus à la fin des comptes. Hein? Ah, tu veux? Ah ben, il n'y avait pas assez de vestes de sauvetage, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est tellement des... Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ici. Ah, ici, c'est le bateau idéal pour ça. Le pont, puis ici, on a le sanctuaire du Cap de Madeleine. Puis, en avant, on a deux lumières vertes. Puis, les deux lumières vertes, c'est des lumières d'alignement. Quand les deux lumières sont une en arrière de l'autre, ça indique le centre du chenal navigable. Alors, celle arrière nous dit, si celle arrière est désaxée vers la droite, ça veut dire qu'on est à droite du centre-ligne. Si la lumière arrière est vers la gauche, ça veut dire qu'on est à gauche du centre-ligne. Alors, dépendamment de la situation, quand on rencontre, on veut se tasser comme sur la route. Quand on n'a pas de bateau à rencontrer, on garde les lumières l'une en arrière de l'autre pour être à peu près dans le centre-ligne. Alors, c'est un aide à navigation qui est très, très important et très utilisé par les pilotes sur le Saint-Laurent. Évidemment, les aides à navigation latérale, c'est-à-dire les bouées, sont importantes aussi. Ça nous sert de repère instantané. On les voit, on voit où on se situe par rapport à l'extrémité du chenal en largeur. Alors, c'est pour ça que l'hiver, d'ailleurs, quand il n'y en a pas, on met deux pilotes à bord des bateaux. 045. À chaque fois qu'on demande un changement de cap à l'équipage, on vérifie si l'équipage tourne le gouvernail du bon côté. Parce qu'une fois que la giration est amorcée, le temps de l'arrêter et de faire venir le bateau sur l'autre côté,
c'est long, et le navire continue son avance avec la vitesse qu'on a, des fois ça peut être problématique que la gération soit amorcée du mauvais côté. Alors à chaque fois qu'on demande un changement de cap, on regarde ici le gouvernail est au moins tourné du bon côté, comme ça on s'assure que la giration initiale se fait du bon côté. On a plusieurs aides à la navigation sur des bateaux comme ici. Le principal pour nous autres, c'est le radar. 055. Zero six zero. Get on 427. Easy to 10? Easy to 10, sir. We are 410, sir. Four twenty, sir. We are 420, sir. Midship? Midship, sir. Steady 063. Steady 063, sir. La qualité d'un bon homme de roue, d'un bon timonier, c'est de savoir combien de degrés tourner le gouvernail pour arriver au nouveau cap. Puis une fois que la giration est amorcée, c'est de faire revenir le gouvernail au centre ou de mettre du contre-gouvernail, c'est-à-dire envoyer le gouvernail de l'autre côté pour faire arrêter le navire sur le nouveau cap demandé. Quand on a fait le changement de pilote, tantôt le pilote de Montréal-Trois-Rivières m'avait averti que les hommes de roue étaient fatigués parce qu'ils venaient de faire la voie maritime, c'est-à-dire le passage des Grands Lacs jusqu'à Montréal. Puis sinon, les autres étaient nouveaux. Lui, je suspecte que ce soit un nouvel homme de roue parce qu'il n'y a pas une bonne coordination sur combien mettre d'angle de gouvernail et quand l'arrêter. Alors ça fait que on n'atteint pas le nouveau cap demandé dans des délais raisonnables, ce qui fait qu'on se fait désaxer d'un côté ou de l'autre du chenal de navigation. Alors, c'est pour ça que là, je lui ai directement donné des ordres de gouvernail, combien je voulais que le gouvernail tourne à gauche et à droite. En anglais, gauche et droite, sur un bateau, on utilise l'équivalent de bâbord, tribord en français. Alors, c'est starboard pour le côté droit et port pour le côté gauche. 070. 070. C'est tout. Non, parce qu'ils ont donné ça à nous. Non, non. Can you reduce the brilliance on the electronic chart and yes, shut the blind? Thank you.
dira ça en direct. Ok, ok. Yeah, but right, 1.25 miles ahead, Mr. May. So we're gonna reduce the okay. We'll go since the light. No, cut on. We'll go half ahead. Half ahead. There's a dredge, Captain, so we're gonna reduce, okay? Do you have the tide with us, or...? Yeah, it's low water at 10 to 1. So, as I said, we're gonna just start feeling the flood tide when we arrive. Zero seven five, sir. Patrick, peux-tu me donner le LED, s'il te plaît? Not yet, thank you very much. Attends, allume pas. Alors le bateau qu'on va passer à droite, ça c'est une drague. C'est un bateau spécialement conçu pour entretenir le chenal à une profondeur acceptable pour la navigation commerciale. À cet endroit-ci, le chenal est entretenu à 11,3 mètres avec un niveau d'eau de référence zéro. C'est-à-dire que quand on atteint ce niveau de référence-là en hauteur, le chenal navigable est au moins à 11,3 mètres de creux. Présentement, on a plus que le zéro comme degré de comme niveau de référence. Présentement, ici, à Bécancour, on a 1,51 mètres. Donc, pour avoir 11,3, on se doit d'avoir 12,8 mètres de disponibles à partir du niveau d'eau. Alors là, c'est un nouvel outil. Ça appartient à la compagnie Groupe Océan de Québec.
l'entretien du chenal ici se faisait là, de façon archaïque depuis, depuis genre quartier à peu près. Je rigole, mais les dragues qu'on utilisait étaient des vieux modèles. L'entretien du chenal était très très long, très peu performant. Alors l'année dernière, le groupe Océan a construit cette drague toute neuve, très performante, beaucoup plus vite. Alors, j'entrevois l'entretien du chenal de navigation entre Québec et Montréal optimisé par l'ajout de cet équipement-là. Okay, Mr. Wright, we'll go back full maneuvering, please. Okay, well, there. Je vais rencontrer le bateau et on va parler après. Port 20, sir. Okay. Easy to 10, sir. 410, sir. Okay. 065. 065, sir. Midship. Starboard 10. Starboard 10, sir. We don't starboard 10, sir. Okay. Midship? Red Diamond Ship, sir. Okay. Starboard 10? Starboard 10, sir. We don't starboard 10, sir. Midship? Midship, sir. Red Diamond Ship, sir. Okay. Vectus et Hugo, le Kumano. Oui, bonsoir. Allez, bonsoir, merci beaucoup, là. Bien apprécié. Ah, pas de problème, bonne méthode. Merci, votre fin de voyage. Regardez sur la carte électronique. Le Vectis Eagle est bien tassé sur son côté. Ça, c'est le centre ligne. Les deux lumières vertes en arrière indiquent le centre du chenal.
la ligne pointillée. OK, thank you. La ligne pointillée indique la limite nord. La ligne pointillée ici indique la limite sud. Alors, nous, on est entre le centre et la limite sud. Et lui, il est entre le centre et la limite nord. On ne peut pas avoir bien, bien mieux comme position pour se rencontrer. Puis, vous regardez le Vectis Eagle, c'est le navire qu'on avait parlé pour... vous regardez, c'est un tout petit bateau, un équipage très limité. Alors, ça ne me surprend pas qu'il y avait une incapacité d'accueillir seulement un ou deux autres personnes à bord. Des petites accommodations, un petit canot de sauvetage seulement pour l'équipage, alors... c'est difficile d'accommoder plus de passagers sur ces petits bateaux-là. Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup d'équipements de navigation à bord. La principale pour le pilote ici sur le Sanara, c'est le radar. Le radar, c'est cet appareil-là. Le radar, c'est un appareil qui nous sert à avoir un écho de tout ce qui est au-dessus de l'eau. On ne se sert jamais en pilotage de ce qui est sous l'eau. OK, thank you. On se sert de la ligne de côte, de la côte terrestre, chaque côté. Alors, le radar, c'est une antenne qui tourne, ça émet une onde. L'onde va refléter sur des échos et revient sur le radar, sur l'antenne. Le temps que l'onde prend pour partir de l'antenne, aller refléter sur un objet et revenir, est interprété en distance. Et nous, avec les distances, on est capable de se positionner. Ah non, c'est assez récent ça. Ah oui? Ah oui, c'est un bon radar. C'est un radar de la compagnie JRC, Japan Radio Company. C'est un très bon radar, c'est de l'équipement fiable, c'est de l'équipement qui ne varie pas. Les distances sont stables tout le temps. Alors non, c'est pas un vieux bateau non plus. C'est un bateau qui a peut-être une dizaine d'années, mais si tous les bateaux auraient des bons radars comme ça... on serait content. Mais c'est quand même des bateaux relativement de base. C'est-à-dire que pour l'utilisation qu'ils en font, transporter du vrac, on n'a pas besoin des bateaux hyper sophistiqués. Alors, ça deviendrait non rentable d'avoir des bateaux hyper sophistiqués pour transiter de la marchandise relativement.